Hey yo tout le monde, c'est Miros, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon version blanche. La dernière fois nous étions arrivés à Janusia, la ville de la 8ème arène. Nous avons fait la rencontre de Iris et Watson qui nous en ont appris un petit peu plus sur Reshiram et Zekrom, les Pokémon légendaires fondateurs d'Unis, et sur la légende du héros. Et Iris nous a donné rendez-vous à l'arène. Alors le petit problème, c'est que comme vous l'aurez compris, ici on est dans une ville de dracologues, de maîtres des Pokémon dragons. Sauf que j'ai aucun Pokémon glace et aucun Pokémon dragon. Donc je sens que ça va être un petit peu folklore. Peut-être que j'ai une CT qui pourrait m'être utile. Qu'est-ce que j'ai de beau? Tiens, est-ce que je peux apprendre Bomberk à Gex? Ça pourrait être bien. Non, d'accord. Bon, bah tant pis. Gex n'apprend strictement rien. C'est génial. Est-ce que j'ai pas une petite CT de type glace? Là, souffle glacé. Ouais, mais ça a 40 de pouvoir, mais ça fait que des... Oh putain, en plus personne l'apprend. Génial. Est-ce que j'ai pas autre chose? Non, je n'ai absolument rien. Génial. Youpi tralala. Bon bah du coup va falloir improviser. Alors j'avais dit qu'on visiterait un petit peu la ville de Janusia. On a déjà parlé à tous les PNJ dans le précédent épisode. Mais visitons un petit peu les maisons. La capacité d'attraction pour ceux qui l'adorent et pour ceux qui la détestent. Voici pour toi. Nœud destin, d'accord. Fais tenir ce nœud destin à un Pokémon. S'il subit la capacité attraction, le lanceur aussi tombera amoureux. C'est pas facile à utiliser, mais je pense que ça peut servir quand même. Ouais, ça sert surtout en reproduction, en fait, le nœud destin. C'est comme mon avis, hein, mais on s'en fiche de gagner ou de perdre. L'important, c'est d'être avec les Pokéfions. Pour se frotter à la ligue, il faut 8 badges. Mais même avec ce niveau, il n'est pas dit qu'on puisse gagner contre le Conseil 4. C'est pas faux. D'ailleurs, à mon niveau actuel, je ne peux pas battre la ligue, je pense. Ils sont même pas niveau 50, mes Pokémon... Déjà, je pense que l'arène, ça va être assez juste. Mais alors, là, ici, non, on va pas tester, parce qu'il y a que des combats trios, c'est pas intéressant. Enfin, si, les combats trios, c'est intéressant, mais pas en vidéo, quoi. Ça sert vraiment à rien de faire des combats bonus. Ça fait perdre du temps. Ton défaisant, il a encore de l'énergie à revendre. Je suis sûr qu'en se développant et en s'agrandissant, la ville va devenir trop super futuriste. J'ai hâte d'être adulte pour voir ça. Si l'on prend bien soin des choses que l'on a depuis sa plus tendre enfance, il est facile de se remémorer celle-ci. Hélas, pour ma part, j'ai oublié quel enfant j'ai pu être. Je crois que j'avais trop hâte de devenir adulte. Alors, ce que dit le jeune garçon à la casquette orange, là, c'est important par rapport à Pokémon Noir 2 et Blanc 2, puisque il me semble que Janusia, dans une des versions, est une ville futuriste à la trône, l'héritage, quoi, c'est n'importe quoi. Et dans l'autre, c'est une ville qui est un petit peu plus... comment dire ça? Un peu plus antique, entre guillemets. Avec un petit peu de racines, des feuilles, tout ça, qui poussent un peu partout. Je dis ça de mémoire, hein, c'est peut-être faux. Mais je sais qu'il y a une version où c'est futuriste et l'autre où c'est autre chose. Je veux connaître l'avenir, quelle angoisse! Dans quel monde vivra mon petit Emmett? Je n'endors pas la nuit. Alors j'ai décidé de construire une machine qui relie le présent et le futur, rien que ça. Aucun problème de sécurité, elle est entièrement gainée de plomb. Mais bon, ça marche pas terrible. L'alimentation électrique, ça manque de gigawatts. Il paraît qu'il existe un autre monde, avec une ville identique à Janusia. Elle a le même nom, mais on dirait qu'elle est dans le futur. Avec un Pokémon qui viendrait de ce monde et qui connaîtrait la capacité chargeur, la machine devrait fonctionner. Tiens, au fait, aurais-tu un Pokémon qui connaîtrait cette capacité? Non. Bon, tant pis, si tu changeais d'avis, reviens me voir. Alors attendez, parce que c'est peut-être dans Noir et Blanc, finalement. J'ai allé chercher vite fait sur Google. En attendant, on va parler aux petits jeunes, là. Dis, tu sais ce que je veux devenir quand je serai grand? Non. Peut-être qu'on le verra dans... qu'on reverra Emmett dans Blanc 2. Janusia. Hop. Janusia Poképédia. Alors, qu'as-tu à me dire, Poképédia? Donc ça... Passé et avenir s'email, ouais, ok. Tatatin... Pas des images?
dans Pokémon Noir et dans Pokémon Blanc. Fais voir Pokémon Noir. Zoom sur l'image, s'il te plaît. Ouais, dans Pokémon Noir, c'est un peu plus différent. C'est un peu tout bleu. Et l'arène est en travaux. D'accord. Ouais, donc c'est un peu le côté trône, l'héritage, tout ça, là, comme je le disais. Et chez nous, c'est bah, le truc un peu plus antique dont je parlais. Est-ce que Janusia est dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2? Peut-être pas. Ah si. Bon bref. On s'en fiche, on va continuer un peu notre aventure. Doit pas y avoir beaucoup de maisons hein, dans cette ville à la con. Là, il y en a pas. Alors à droite, de mémoire. Un Pokémon légendaire. Ah bah bon, bah d'accord. Ou alors c'est dans Noir de Blanc 2 qu'il y a un Pokémon légendaire, je ne sais plus. Bréfouille. On n'est pas allé dans cette maison-là, je crois. 63, 64, là je suis en train de compter les parures pour les comédies musicales. Il y en a, oh là là, une centaine. Quand on a tout plein de parures, on a envie de déguiser ses Pokémon. Et quand ils sont bien, tout bien déguisés, on n'a plus qu'une envie, les faire participer à une comédie musicale. Les comédies musicales Pokémon, j'en suis tout fou, tout fou. Mazette, mais qu'est-ce que je vois? Tu as des parures, alors toi aussi tu es comme moi. Tu aimes les comédies musicales? Dis-moi mon chou, voudrais-tu plus de jolies parures? J'en ai des frissons tout partout, quelqu'un comme moi enfin, qui aime les comédies musicales, c'est tellement bien de déguiser ses Pokémon avec de jolies parures. Hop, j'ai gagné un paquet cadeau. Je suis le roi de la comédie musicale Pokémon, oui oui, reviens demain si tu veux une nouvelle parure. Très bien. Je le ferai pas, mais très bien. Bonjour. J'étais vraiment un mauvais dresseur. Je trouve que la Team Plasma a raison de dérober les Pokémon à leur dresseur. Ouais, c'est pas forcément drôle pour eux, mais bon. Surtout, ne le répète pas au type d'en face. Ils pensent le contraire de moi. Garde ça pour toi, mais je suis un ancien membre de la Team Plasma. Mais je trouvais ça bizarre quand même. Tous ces gens qui pensaient exactement la même chose comme une secte. J'ai quitté le groupe pour trouver ce que je voulais faire par moi-même. Surtout, ne le répète pas au type d'en face. Ils pensent le contraire de moi. D'accord. Petit conflit entre les gens. Bref, allons dans cette arène à la con avec des gros dragons. Un dragon noir et un dragon blanc. Le dragon blanc aux yeux jaunes. Bienvenue à l'épreuve la plus difficile de tout. Unis en trois mots à l'arène de Janusia pour bien commencer une eau fraîche. Comme d'habitude. Je vais expliquer le dispositif de cette arène simplement. Le dos, le cou et la tête des dragons constituent des chemins à emprunter. En actionnant les interrupteurs situés sur les pattes, les voies accessibles changent. Alors pour le coup, regarde bien comment bougent les coups des dragons. Oh oh! D'accord. Bon, alors problème, je crois qu'il faut combattre tous les dresseurs ou pas. Si en fait. Ouais, il faut battre tous les dresseurs ici. L'arène des dragons de Janusia attend que des dresseurs téméraires essaient de s'y frayer un chemin. Oh, il est minuit. On est plus le 24, on est le 25 maintenant. Allez, un 6H. C'est parti mon kiki. Combat. Niveau 41. What? Ok, j'ai complètement perdu mon avance. C'est pas grave. Ok, il est KO. Le bonheur, mesdames et messieurs. Le bonheur. Top dresseur, beau. Drôle de prénom, ça, Beau. Encore, ça aurait été Bob. Ok, mais Beau, c'est bizarre. Donc, montons sur le dragon. Alors là, je ne fais qu'appuyer sur haut. Hein. Et là, je ne fais qu'appuyer sur bas. Alors, voyons voir. Ici, il n'y a rien. Bonjour. Je n'indique le chemin qu'aux dresseurs qui peuvent me battre. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de tous les combattre. Point.
Alors, un Soloshi, je crois que c'est la première fois qu'on en rencontre un. Du coup, bah, dites bonjour à Soloshi. Soloshi qui utilise rengorgement. Alors, j'ai un petit peu mal aux yeux, j'ai les yeux qui piquent. C'est un chouïa chiant quand même. Parce que j'ai pas énormément dormi. Je suis allé me coucher à 5h30 du matin. Je me suis réveillé à 13h30. Tout va bien. Ah, ça fait quand même 8 heures de sommeil en fait. Ouais, ça fait 8 heures de sommeil. C'est bizarre que je sois fatigué alors. Alors, j'ai appuyé sur un bouton qui a fait lever la main du dragon et bouger sa tête. Ce qui fait que maintenant, je peux aller là-bas. En passant sur le dragon Weir. Affrontons du coup ce jeune homme. Qui va nous permettre d'avancer un petit peu plus loin. Claudius qui nous envoie un 1-6-H. Un 1-6-H de niveau 40, c'est-à-dire le Pokémon le plus faible qu'on a rencontré pour le moment dans cette arène. Alors, petite lame d'air. Ok, il a la trouille, du coup je peux enchaîner avec une autre lame d'air pour le finir. Très bien. Alors pourquoi je prends Kevin dans cette arène? Bah parce que le type vol fait x1 sur le type dragon et que le type dragon fait x1 sur le type vol et sur le type normal. Du coup je pense qu'on devrait pas avoir trop de soucis avec Kevin. C'est assez équilibré. Du moins pour l'instant, hein, parce que bon... Kevin risque quand même de se faire battre. Du coup, je fais vol. Parce que c'est mon attaque qui fait le plus de dégâts, tout simplement. Donc, il a fait Danse Draco. Ce qui ne le rend pas plus rapide que moi. C'est étrange. Ok, coup critique, il est KO. Ça, c'est bien. Pouvons donc continuer. Hop, il lève sa deuxième patte. Et on peut avancer. On n'est pas censé pouvoir monter sur un dragon blanc aussi. Je ne sais plus. Alors le gros problème de cette arène, c'est qu'on peut pas éviter les dresseurs. C'est vraiment, vraiment chiant de ne pas pouvoir éviter les dresseurs. Mais bon, que voulez-vous? C'est la dernière arène, hein. Faut bien qu'il y ait un petit peu de challenge. Sinon, c'est pas drôle. Allez, brise-moi la moule. Moi, je vais te voler dans les plumes. Ha ha ha. C'est pas drôle, en fait, puisqu'il a pas d'aile. C'est juste un dinosaure. Un dinosaure de Jurassic World. Un film avec Omar Sy. Je trouve ça toujours très drôle de voir Omar Sy dans des films américains, personnellement. C'est pas drôle, hein, mais ça me fait rire. Ah oui, alors, petite annonce, si jamais vous entendez un bruit en vidéo et un truc qui s'affiche en plein milieu de l'écran, vous inquiétez pas, c'est mes téléchargements. Et la même chose dans l'épisode 24 de Donjon Mystère, je sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo-ci. Je n'ai aucune notion du temps qu'on... en ce qui concerne mes vidéos. C'est hallucinant. Mais bref, continuons, mesdames et messieurs. Ici. On peut pas passer par là. Ah bah, il y a un deuxième dragon noir. Il me semblait qu'il y avait un dragon blanc quelque part. Me serais-je trompé? Allez, peut-être on peut pas passer par là, bah du coup on va passer ici. Lui je suis obligé de l'affronter, dommage. C'est chiant! Y'en a marre des combats! Vénérable Sammy! Sammy! Hey, Scooby, tu veux un Scooby Snacks? Je fais très mal Sammy et Scooby-Doo. J'ai failli dire Sammy Doo et Scooby. Non, non, c'est Sammy et Scooby-Doo. Un Dracarmin, je vais faire lame d'air.
Ça doit... Non, ça le tue largement pas. Cependant, je lui ai foutu la trouille, du coup, je peux lui voler dans les plumes. Bon, lui, il a des ailes, mais il a pas de plumes. Ça me permet en même temps d'éviter sa dracogriffe. Ah, l'enflure! Ok. Vendetta, ça, ça peut faire mal. Ok, c'est bon. Je vais donc le finir avec Vive Attaque. Parfait. Mais il a encore la peau dure. Ce qui fait que je prends beaucoup de dégâts. Alors, je vais peut-être utiliser une potion, parce que j'en ai pas mal quand même. Je crois. Super potion, ouais, il m'en reste 8. Du coup, je peux en sacrifier 2. Allez. Soyons fous. On va switcher, tiens. On va changer de Pokéfion. On va mettre Miro. Pour l'entraîner un petit peu. Hop. Alors, je peux pas aller là, mais je peux aller ici pour appuyer sur ce bouton. Pour que toi, tu lèves la tête ou pas. Ok. Alors, passons donc par ici. Là, je peux pas passer. Et je peux pas non plus éviter ce monsieur. On est vraiment obligés de tous les affronter. Je suis pas trop pour hein, le coup d'affronter tous les ennemis. Mais c'est pas grave. Benzaï est en live. Benzaï joue à Witcher 3. Oh mon dieu. Terminons vite cet épisode, je veux voir ça. En plus, je crois qu'il est en live avec François Teurel. Vous savez, le fossoyeur de film. Je vous conseille fortement la chaîne Le Fossoyeur de film. Au passage, si jamais vous ne connaissez pas, je n'ai pas du tout voulu appuyer sur ce bouton. Je sens que je vais le regretter. Ah non, mais il est pas du tout sur Witcher 3, il est sur Outlander, là. C'est de la publicité mensongère, mesdames et messieurs. Oui, par contre, baisse le son, parce qu'on va entendre sinon... oui, c'est absolument pas Witcher 3, ça. Publicité mensongère, hein, c'est pas grave. C'est un petit filou, le Benzaï. Alors, Dracarmin, voilà, il est KO. En plus, il ne me fait pas de peau dure. Du coup, c'est toujours ça de gagner. Un 6H. Très bien, très bien. Alors attendez que j'essaie de me souvenir vite fait des types qu'ils ont à la ligue. Y a ça... Ouais, c'est bon, j'ai dans la tête les types. Du coup, j'aurais besoin en priorité de Kevin et de Lauriane. Pour les autres, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ça va être l'improvisation, quoi. Quoique j'ai Justin qui a ma chouille, du coup ça pourrait être utile. Bref, faisons changer de position ce troisième et dernier dragon. Enfin, je crois que c'est le dernier. Hop. Elle est très longue, cette arène, hein. Attendez, quoi? Ah non, c'est bien ce qu'il fallait que je fasse, hein, parce que j'allais dire... Je comprenais pas où je devais aller, là. J'ai mon cerveau qui est un petit peu déconnecté, il est posé à côté de moi sur la table. Du coup, je fais pas super attention à ce que je fais. C'est triste. Bref, Xavier qui nous envoie un Solochi. Que nous allons nous empresser de démonter avec Griffacier. Empresser, défoncer, Griffacier, ça rime, c'est génial. Je vais le finir avec Force, puisque Force ça ne me sert à rien.
Enfin, les attaques de type normal, c'est bien parce que ça fait x1 contre quasiment tout. Sauf les types proches, acier, spectre sur lequel ça fait 0. Sur quoi d'autre ça fait pas beaucoup de dégâts le type normal? Il me semble que c'est tout. Ok, ça, ça fait mal quand même. Pour une attaque pas très efficace, j'ai pris beaucoup de dégâts. Et en plus, la peau dure, bah oui, sinon c'est pas drôle. Saloperie. Mio remonte au niveau 48, ce qui en fait, je crois, mon Pokémon le plus haut niveau. Hop, donnons-lui une super potion. Ça tombe bien parce qu'il est juste sous la limite de 1. Allez, voilà. Appuie sur le bouton et lève la tête, petit dragon noir. Alors peut-être que dans la version noire, le sol de l'arène est noir et les dragons sont blancs. Ça me paraît très logique. Oui, c'est ici que je dois aller. Il me semble que dans Noir 2 et Blanc 2, il y a un dragon noir et un dragon blanc. Et l'avancée dans l'arène se fait par étage. Et c'est comme si les statues de dragon noir et de dragon blanc se battaient en fait. De mémoire, c'est comme ça. Mais j'y ai pas beaucoup joué à Noir 2, Blanc 2. En fait, je l'ai jamais fini. Je suis juste allé jusqu'à Janusia. J'ai pas battu le champion, je crois. Je me suis arrêté juste avant. Du coup, en la saison prochaine de ce marathon Pokémon, ce sera quasiment une totale découverte. En plus, ça remonte super loin, ma dernière partie, donc voilà. Alors, un 6H. Un 6H qui est pas un Pokémon ultra dangereux. Son évolution l'est un peu plus. Allez, augmente ton attaque et ta vitesse. Moi, je te termine. Enfin, je crois. Ouais. Perfetto. Et niveau 49, bien. Ça me fera ça de moins à faire pour la prochaine fois en XP. Tempête sable, ça ne m'intéresse absolument pas. On peut donc continuer. C'est par là. Ensuite, est-ce que je dois aller là ou autre part? Je crois que je dois aller là. Aïe! Et voilà, parfait. Bonjour à toi, jeune demoiselle. Du coup, bah on est ok. C'est parti. Salut, c'est moi Iris, le super champion de cette arène. Didi, tu te bats comment? J'ai vraiment envie de savoir. Alors c'est parti! Tuco versus Iris. Un 6H est envoyé par champion Iris. Un petit 1-6H donc, hein. Très bien, très bien. Bah gris facile. Ça fait le taf. Je peux en mettre une deuxième derrière. J'espère choper un bonus d'attaque, tiens. Ça pourrait être vachement bien. Mes Pokémon, ils ont mal. Et moi, c'est tout pareil. Ok. Ah, si tu veux que je te fasse griffe acier dans ta face, c'est toi qui vois. Ça ne me dérange pas. Un Dracarmin, on va donc faire séisme. Hop. Un petit séisme gratuit. Avec le stab en plus de ça, tout va bien. Le coup critique, c'est génial. La vie est belle, mesdames et messieurs. Miro qui monte au niveau 50. L'XP qui fuse. Et son dernier Pokémon est un Tranchodon. On va garder Miro pour la forme. Tranchodon qui veut me briser la moule. Non, 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 c'est pas fini. Eh bien, Tranchodon, je te séisme la face!
Et tu résistes, bien. Tu es un adversaire de valeur, Tranchodon. Petite Tranchodon. Et je te griffe acier pour te finir. Ah bah finalement non, hein. Voilà. Merci Iris. Iris qui troll. Je vais donc te finir avec séisme. C'était pas ta guerre. Et la joie de l'XP. Phew, on s'est donné à fond. Mais bon, on a perdu. Et moi j'ai gagné de l'argent. T'es incroyable, je suis trop contente. Trop contente. T'es la personne la plus forte que j'ai rencontrée. Et voilà, le nouveau... J'allais dire le nouveau dragon, le nouveau badge. Ce 8e et dernier badge. Tuco reçoit le badge mythe d'Iris. T'as 8 badges, 8, c'est incroyable. Tu peux demander ce que tu veux à n'importe quel Pokémon maintenant. Je te donne une CT aussi. La CT 82 Dracobit. Ben, avec Dracobit, tu fais pas qu'infliger des dégâts. Tu renvoies aussi le Pokémon ennemi dans sa Pokébit. Dans sa Pokéball. Merde. Dis, monsieur Goya, il fait quoi à ton avis? Il se bat quoi avec ce garçon là, N? Et tu connais la Ligue Pokémon? Elle est juste après la route Victoire. Il faut d'abord franchir la route 10. D'accord, bah allons-y. Allons sur la route 10. Et j'ai donc gagné, tiens, c'est la dernière fois qu'on se voit. Tu as gagné contre le champion, c'est fabuleux! Tu vas donc bientôt pouvoir me rembourser toutes ces eaux fraîches, n'est-ce pas? Oh, c'était une blague, voyons, encore toutes mes félicitations. C'est toujours le même mec, hein, dans chaque arène. Hello! Comment ça s'est passé avec Iris? Je suis venu pour te faire part du résultat de mes recherches sur le moyen de faire revenir Zekrom à la vie. Je pensais qu'utiliser le Vokit pour une chose pareille était très impoli. Bon, inutile de tourner autour du pot. On l'a dans l'os. Il faut que le Pokémon reconnaisse une personne de valeur pour s'éveiller. Changeons de sujet. C'est-il pas super génial? Tu as les 8 badges d'Unis, pardon. Quel talent! Tu ne t'en rends peut-être pas bien compte, mais tu as bien changé depuis ton départ de Renway. Et puisque tu as fini ton pèlerinage dans les arènes, laisse-moi te montrer où il faut aller maintenant. Non mais je connais madame. Lâchez-moi madame, je vous connais pas. Passe cette porte pour accéder à la route 10 et tu arriveras au point de contrôle des badges. Traverse ensuite la route Victoire et tu atteindras enfin la ligue. Je me rappelle avec émotion le moment où je t'ai présenté le centre Pokémon d'Arabelle. Oh, ça me rajeunit pas. Dis-moi, Tuco, regrettes-tu d'avoir fait ce voyage avec les Pokéfions? Non. Tu me fais chaud au cœur, mon chou. J'imagine toujours avec le sourire aux lèvres vos petites mines épanouies et les étoiles dans vos yeux quand vous avez dû choisir vos Pokémon. C'était encore la naissance d'une belle amitié entre humains et Pokémon. Tuco, tu mérites un cadeau. La Master Couille. La Master Couille permet de capturer à coup sûr n'importe quel Pokéfion. Ça te la coupe, hein? C'est le seul moyen que j'ai de t'aider. Tuco, quoi qu'il arrive, les Pokémon sont à tes côtés. Bye bye! Merci, professeur! Du coup, elle va plus vite que la lumière puisqu'elle a déjà disparu. Moi, je vais soigner mes Pokémon. Hop! Vlam dim dadoulam. Hop, ok. Non, pas la bicyclette dans le centre Pokémon, ça ne sert à rien. Direction donc la route 10, comme nous l'a indiqué Iris. S'il vous plaît, puis-je vous parler un instant? Je viens de l'entendre sur le Vokit. Il y a une terrible tempête sur la route 7. Surtout, elle n'a pas l'air bien naturelle, que c'est étrange. Oh là 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 là, mais que se passe-t-il? C'est où la route 7? C'est pas au-dessus de Parsemi, ça? Où est-ce qu'on s'envole? Route 7. Route 7, route 7, route 7. C'est ça, c'est au-dessus de Parsemi. Bah, allons voir à Parsemi. Cette fameuse tempête. Une tempête de boulettes géantes. Hop. Elle est où ta tempête? Ah oui, d'accord. Bon, c'est bon, j'ai compris. What? Ah oui, quand même.
C'est une sacrée drache. C'est une sacrée drache. Parle aux moustaches de grand mémé, ils ont revenu. Chauve pour la tête. Si tu vas dans les hautes herbes, tu vas te faire emporter. Faut pas rester à discuter en cette tempête, tu vas tromper l'eau mort. C'est plutôt le chaumière, au chaud au chaud. Sois pas passe tes genoux que tu vas pas te choper un vilain rhume. Tu veux boire ma bonne soupe? Oh, je sais pas si on te plaira. C'est type au mieux. Faut pas faire des manières quand on est genoux. À Unis, ils ont un Pokémon qui cause l'eau tempête. Fulguris qui s'appelle. Il voyage partout et il faut souffler le vent et gronder les orages. Même grand mémé et crier pas autant. C'est très difficile à lire. Olé, boué! Chauve votre réchauffé. C'est une bonne soupe de légumes, elle est savoureuse. Mobologum, Mobolukum, l'eau pluie va tout ruiner. C'te vilain Pokémon. Faut pas penser à le capturer, slow score. Il vole pchit par chi, pfiou par l'eau. Tu crois d'avoir trouvé qui te file entre les potes. Le Pokémon fait le tour du Nice en une journée. Le matin, il est dans l'eau sud. Le soir, dans l'eau nord. En fin de journée, il est dans le coin. À l'époque, j'étais un fringant jeune homme et mamie une vraie pêche. Un Pokémon des environs affichait sa raclée à Fulguris. Boum, paf! Et pendant 30 ans, le trafreux s'est tenu à carreau. Il se cachait dans le coin. Tu connais les tableaux digitaux? Bah, s'il y a une orage quelque part, c'est écrit dessus. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un coup. J'ai un truc bloqué dans la gorge. C'était extrêmement désagréable. Hop. C'est terrible! Ton équipe a l'air fatiguée. Mais non, je viens de la soigner, c'est bon. Bon, bah du coup, il y a un Pokémon légendaire qui s'appelle Fulguris dans le coin. Quelle terrible tempête! Ce pourrait être l'œuvre de ce Pokémon. Oh mon dieu! Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, Fulguris est le Pokémon légendaire fuyard de cette version. Il y a son pote Boreas dans la version noire. Nous, on a droit à Fulguris, eux, ils ont droit à Boreas. Et lorsque l'on a les deux dans la même version, il y en a un troisième qui s'appelle Demeteros. Et qu'on découvrira ensemble une autre fois. Parce que déjà, il faut que je capture ce petit con de Fulguris. Ensuite, il faut que je trouve le moyen de choper un Boreas. Alors, bon, là, il n'y a pas de secret. Cheat Code Mania. De toute façon, j'ai pas d'autre moyen de le faire. Hein. Je peux pas faire d'échange. Hein. Je suis sur émulateur. Donc, voilà. En espérant pouvoir le faire, quoi. Ce serait dommage de rater un event. Ok, alors il y a une super musique qui commence. Et ce petit con veut se battre. Pendant une minute, j'ai cru qu'il était shiny. Wow! Surprise, surprise! Mais enfin, laissez la musique se lancer! Bande de vilains! Et puis, je vais pas utiliser un repousse pour cette route. Bah, t'es gonné! C'est sûrement la route qu'il mérite le plus vu la musique, mais. Tuco, plus un pas. Watson et le professeur m'ont dit que tu te dirigeais vers la Ligue? Oui. J'ai relativement confiance en Goya. Mais si jamais il perdait, c'est à toi qu'incomberait la tâche de vaincre le leader de la Team Plasma, N. Alors j'ai besoin de savoir si tu es à la hauteur de cette tâche.
Oh non! Tu gâches la musique! Vilain, Cheren, vilain! Et donc, Cheren nous envoie un défleuzant. Manque de bol, j'ai mon Pokémon Sol. Heureusement qu'il a Griffe Acier. Imaginez s'il était comme, comme Gex et qu'il avait 4 attaques de son type. 4 attaques type Sol, je ne pourrais pas faire grand chose. Allez, Griffe Acier contre ce vilain défleuzant. Ça lui a absolument rien fait. Mais non, je suis con, j'ai éboulement. Miros, Miros. Les faiblesses, enfin. Attendez, je vais regarder un truc parce que j'ai mon coffret Full Metal Alchemist. Je vais regarder s'ils sont HD. Je sais, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Non, c'est du 4 tiers. Bon, bah, du coup, la qualité sera pas forcément géniale. Mais bon, c'est pas du 4 tiers propre. Pourquoi j'ai pas touché? Il a encore fait détection, ce vilain? Allez, rip le vilain défleuzant, voilà. Du coup, je vais envoyer Justin. Et je vais te faire surf, tout simplement. Très très mal. Hein. Il a des restes, l'enfoiré. Moi j'ai pas ce privilège. Hop, voilà. Adieu. J'ai même pas eu le temps de voir le niveau de son Ratiflame, c'est pour dire. Ok, par contre il m'a filé énormément d'XP, donc feuilloutant. Feuilloutant, on se tire et je vais envoyer Ixion. Pourquoi Ixion? Pour avoir un bonus d'argent en fait, puisque c'est lui qui a la pièce rune, il me semble. Je vais donc faire Nitro Charge. Pan ! Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Canon Drain, ok. Ça, ça en a fait beaucoup par contre. Du coup, on va switcher sur Kevin. C'est chiant de devoir affronter Cheren tout le temps après un badge. Je crois qu'il nous avait épargné ça au précédent badge, mais c'est quand même chiant. Allez, lame d'air. Mais arrête de faire canon graine, enfin. Le mec utilise des attaques du type plante contre un type vol. Respecte-toi, fais au moins charge. Je ne sais pas. Léopardus, on va envoyer DeLorean. Il n'y a pas de secret. Le Pokémon et moi allons donner tout ce qu'il nous reste. J'ai pas eu le temps de voir. Je crois que c'est pour remporter la bataille. J'ai vu le mot bataille. C'est l'idée, quoi. Merci pour tout, tu es vraiment incroyable, tu sais. Merci. Tu es incroyable, je le pense sincèrement. Laisse-moi soigner ton équipe avant de continuer. Ah ! Il est certain que maintenant je ne t'arrive pas à la cheville. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider dans ton dernier comp... Tuco ! Je peux rien faire d'autre, alors voilà, prends, c'est pour toi. Oh, des rappels max. C'est amusant, hein? On était séparés et là... Amusant, mais réveille-toi, à un moment pareil, tu... Cheren, il faut savoir rigoler, hein? C'est pas avec ta tête d'enterrement que ça a changé quelque chose. Depuis qu'on a rencontré des Pokéfions, on est tous partis en voyage et il s'est passé plein de trucs. On a tous changé différemment. Vouloir et pouvoir, c'est pas pareil, hein? Ce voyage, il m'a appris quelque chose, alors je suis bien contente. Ah, c'est vrai que nous avons des talents différents. Il serait bon de pouvoir les mettre à profit. Chacun a son idéal ou sa réalité. Mais le plus important reste de s'entraider, car c'est naturel. Les Pokémon doivent rester aux côtés des hommes, j'en ai la conviction maintenant. Tuco, s'il devait vous arriver quelque chose à toi ou à Goya, je veux pouvoir vous aider moi aussi. Je vais aller m'entraîner encore, en attendant ne fais pas de bêtises.
Il est parti. Tuco, moi aussi je veux aider. Je pense que... j'arrive pas à dire quelque chose d'intelligent, zut. Bon courage. Voilà, donc on retrouve la musique cool. J'ai pas envie de tenter d'aller chercher la Pokéball. Ah ouais, non mais attends. Évite le dresseur. Tourne la tête. Ouais. C'est bon, je suis safe. Oh mon dieu! La clé pour ouvrir cette porte est le badge de triple. Tu portes le badge de triple, alors relève tous les défis. C'est super stylé ce truc là de donner les badges pour pouvoir avancer. Il n'y a que dans la G1 et dans la G5 qu'ils ont fait ça. Je trouve que c'est très intéressant, ça crée une certaine ambiance. Mais ça n'a aucun intérêt de le mettre aussi loin dans le jeu. Dans la G1, c'était très bien placé, juste à côté de Jadiel, parce que tu peux y aller n'importe quand, puisque c'est au tout début du jeu. Jadiel, c'est littéralement la deuxième ville, si tu comptes Bourg-Palette, sinon c'est la première. Du coup, tu peux y aller quand tu veux pour donner les badges progressivement, au fur et à mesure que tu avances. Là, tu dois tout donner d'un coup. Bon, ça te permet de revivre un petit peu les différentes étapes de ton aventure. Mais je trouve ça pas intéressant, en fait. Puisqu'au moment où tu arrives ici, bah, les 7 autres badges, t'es sûr de les avoir, en fait. Alors que quand t'arrivais à Jadiel, tu pouvais donner tes badges un par un, comme tu voulais. Genre, tu pouvais commencer à avancer quand t'avais 6 badges. T'arrives à la 7ème porte, bah non, t'as pas le badge, t'avances plus, tu rentres chez toi. Bon, bah, d'accord. Halt, la clé pour ouvrir cette porte est le badge basique. Tu portes le badge basique, alors utilise ton savoir à bon escient. D'ailleurs, est-ce qu'il ferme les portes derrière moi? Là, c'est chiant parce qu'il y a des herbes, voilà. Donc on va être obligé d'affronter des Pokémon. Des Pokémon sauvages niveau 39, hein, quand même. Ça déconne pas ici. Ok. Ah, je peux aller directement là. Halt, la clé pour ouvrir cette porte et le badge élytre. Tu portes le badge élytre, alors montre-toi digne des Pokémon insectes. Oh, c'est très étrange comme architecture. La clé pour ouvrir cette porte est le badge Volt. Tu portes le badge Volt, alors électrise tes ennemis au combat. Les portes dessinent les frontières entre divers espaces. Un autre monde s'étend derrière. Lorsqu'on franchit une porte, on a vraiment la sensation de changer d'univers. Et ces portes sont aussi un souvenir du moment où tu as reçu tes badges. Pour moi, le voyage s'arrête ici. Je n'ai pas le badge sismique. Halt, la clé pour ouvrir cette porte est le badge sismique. D'ailleurs, si vous faites bien attention, plus on ouvre de portes et plus on découvre de zones, plus la musique a d'instruments. Tu portes le badge sismique, alors fais-toi aussi trembler ton adversaire. Bon bah nous voilà à la route victoire, je pensais qu'il y aurait un saut de Pokémon quelque part, mais visiblement non.
Du coup, nous allons nous arrêter ici. Je vous dis donc à bientôt, bye bye et prenez soin de vous. On se retrouvera la prochaine fois pour traverser la route victoire. Normalement, je pense pas qu'on fera la ligue dans l'épisode prochain, donc ce sera sûrement dans le suivant, mais au cas où, ben, vous le verrez sur la miniature de toute façon. Je vous dis donc à bientôt, bye bye et prenez soin de vous, c'était Miros, à plus tout le monde.